Le centre hospitalier de Saint-Quentin, c'est une communauté d'hommes et de femmes au service d'un bassin de population de plus de 150 000 habitants. Avec 2500 salariés, dont environ 200 médecins, notre structure est à la fois le premier employeur du département de l'Aisne et l'établissement support de son groupement hospitalier de territoire. Il propose une large gamme d'activités de médecine, de chirurgie, de psychiatrie, de soins de suite et de réadaptation, et dispose ainsi d'un secteur d'hébergement de personnes âgées. Ces activités, dimensionnées pour une capacité d'accueil de près de 900 lits et places, sont structurées autour de 8 pôles d'activités cliniques et médico-techniques. Le plateau technique, récent et en amélioration permanente, est le siège d'une activité importante. 14 000 interventions chirurgicales et plus de 6 000 endoscopies sont réalisées chaque année au sein d'un bloc opératoire polyvalent de 12 salles et d'un bloc d'endoscopie autonome de 4 salles. De 1500 coronarographies sont réalisées par le service de cardiologie, qui a ouvert fin 2018 une salle mixte de rythmologie interventionnelle pour permettre le développement de cette activité et l'implantation de stimulateurs cardiaques. L'établissement dispose par ailleurs d'un service de soins intensifs de cardiologie. Plus de 6000 actes d'imagerie sont réalisés sur une IRM, deux scanners, un mammographe numérique, pour assurer à la fois l'activité hospitalière et accueillir des patients externes. Le laboratoire de biologie est polyvalent. Il dispose d'un spectromètre de masse et d'une chaîne robotisée. Le service des urgences adultes accueille en moyenne 100 patients par jour. Un secteur d'urgence pédiatrique y est accolé, accueillant quotidiennement une cinquantaine d'enfants. Une équipe est en permanence dévolue au SMUR, qui réalise plus de 1800 sorties par an. L'établissement est en première ligne sur le territoire pour faire face aux risques nucléaires, bactériologiques et chimiques et dispose d'importants moyens de réponse en cas de catastrophe. Le pôle femmes-enfants regroupe plusieurs services. Celui de gynécologie, avec une activité spécialisée notamment dans la prise en charge du cancer du sein. Un secteur d'obstétrique, avec une maternité assurant plus de 1200 naissances par an et à laquelle est adossée une unité de néonatalogie, comportant un secteur de soins intensifs du nouveau-né. Les sages-femmes proposent également aux futurs parents des activités de préparation à l'accouchement. Le pôle dispose également d'un service de pédiatrie, comportant un secteur d'hospitalisation, ainsi que des consultations et d'un accueil pour les urgences. Le pôle de cancérologie propose, outre les unités d'hospitalisation classiques, des chimiothérapies en hôpital de jour. Le service de radiothérapie développe une activité importante autour de deux accélérateurs de particules, dont l'un permet la réalisation de radiothérapie stéréotaxique. Il vient d'obtenir une labellisation internationale attestant de la qualité des prises en charge. La recherche clinique est particulièrement dynamique dans l'établissement, que ce soit dans la cancérologie comme dans d'autres domaines. Une équipe de 3 attachés de recherche clinique assure le suivi simultané d'un portefeuille d'une soixantaine de protocoles de recherche. Le pôle de psychiatrie assure la couverture de 2 secteurs sanitaires et propose des prises en charge en hospitalisation complète, ambulatoire ou en milieu ouvert. Le pôle de gériatrie est organisé autour de services de court et de moyen séjour, de consultations spécialisées autour des pathologies du sujet, ainsi que d'un secteur d'hébergement organisé autour de 2 résidences pour personnes âgées dépendantes. Le secteur de la gériatrie est également le siège d'une importante activité de recherche clinique. Les fonctions administratives, logistiques et techniques sont toutes assurées par notre personnel hospitalier et concourent chaque jour à la qualité de la prise en charge de nos patients et de nos résidents. Le centre hospitalier de Saint-Quentin est l'établissement support du groupement hospitalier de territoire Aisne-Nord-Haute-Somme, qui fédère 11 établissements autour d'un projet médical partagé, structurant des filières territoriales sur différentes spécialités, pour ainsi garantir une réponse sanitaire appropriée dans le respect du principe de l'égal accès aux soins.